On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cartonnage. Youpi. Oui, je suis en forme ce matin. Donc on va continuer la commode. Alors j'ai avancé un tout petit peu hier sur la commode. J'ai commencé à gainer deux tiroirs. Et parce que bon, ben là, le gainage commence à être long à faire. Et puis, il fallait que je mette sous presse. Donc, comme il fallait que je mette sous presse toute une nuit, bon, ben, j'allais pas vous filmer. Comment ? Ben, la mise sous presse, voilà. Donc, je vous montre. Là, j'ai gainé. Vous voyez ici derrière, donc ça fait des petites bosses, mais bon, c'est tout à fait normal. Là, on peut rien faire, c'est les vis hein, qu'on voit. On peut rien faire d'autre, mais bon, de toute façon, c'est à l'intérieur, c'est pas un problème. Donc là, j'ai commencé à gainer. Donc là, maintenant, je peux retirer toutes les pinces. Et j'en avais mis pas mal, hein, pour que ça tienne bien. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai commencé à gainer ici, sur le côté. Après, j'ai gainé, donc, ben là, je viens de vous le montrer. J'ai gainé là, sur le côté. Et ici, l'intervalle des deux côtés a été gainé. Donc là, sur celle-ci, il me reste à gainer l'arrière. Voilà. il me reste à gainer l'arrière et les deux intervalles ici. Je ne sais pas si je vais faire le grand du milieu. Je vais voir. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. Donc, j'enlève les pinces également. Donc, celui-là, vous rappelez, j'avais fait que les côtés. Donc là, j'ai fait le fond. Voilà. Et j'ai commencé à gainer les côtés. Là, il me reste à gainer le fond. Voilà. Le devant ne sera pas gainé tout de suite parce qu'il faut que je fasse la façade et le passage des vis pour les poignées. Donc ça, ça va être fait par la suite. Et celle-là, elle sera finie. Donc celle-là, je vais la faire tout de suite. Et ensuite, il me reste celle-ci. Celle-là, c'est pas la plus facile. Enfin, la plus facile. Donc, celle-ci, je pense que je vais gainer comme une fois. Parce que là, il y a quand même pas mal de casiers. Donc, je pense que je vais gainer en une fois, en premier, bah, tous les casiers. Voilà. Tout ça ici et mettre les fonds après, voilà. Et donc comme ça je n'aurai que le gainage ici sur le côté à faire, voilà. Et il nous reste donc l'intérieur de couvercle, voilà. Ça va me faire gagner du temps. Bon, ce qui fait que du coup tous les couvercles sont un peu différents, mais c'est pas plus mal. Donc celui-là, l'intérieur est terminé, je crois que je vous l'avais montré. Voilà. Donc il me reste à faire les poignées. Et je m'aperçois que du coup j'ai tout gainé. Et j'ai pas fait le passage de vis. Youpi. Youpi, youpi, youpi. Bon, c'est rien. Je vais voir comment je vais faire. Ouais, j'ai tout gainé et j'ai pas fait le passage de vis. Bon, c'est rien. On va s'arranger. Celle-ci, bon, est terminée presque. Il reste le gainage là et le gainage là. Donc, ça, là, je vous l'avais montré. Voilà, bah, ça avance. Hein.
Donc, on va finir celle-ci d'abord. Bon, bah, du coup, celle-là, on va la faire après. Je vais ranger mes pinces d'abord pour pouvoir voir un peu plus clair. Moi, j'ai un tube de colle dans mes pinces. J'ai hâte de finir cette commode pour pouvoir ranger mon bureau. Parce que là, c'est... Hiroshima. C'est la... Il y en a partout, partout, partout. Attendez, j'enlève le plus gros pour voir plus clair. Hop, la petite poubelle qui va bien. Hop. Voilà, voilà. Voilà. C'est déjà mieux. Allez, encore deux, trois. Toutes les petites chutes de tissu. Voilà, on voit déjà plus clair. Donc, on va faire celle-ci, que je ne me trompe pas. Alors, l'arrière, il est où? Il est là. Donc, on va gainer ici. Ouais, j'ai un carton qui va pile poil. C'est bien ça. Je prends toujours dans mes chutes pour l'instant. Alors, je vais vous basculer et on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, je vais calculer ce que j'avais mis. Ouais, c'est bon. Là, il faut que j'accélère pour terminer quand même, pas seulement pour moi mais aussi pour sa future propriétaire qui a hâte aussi de la recevoir pour pouvoir ranger son bureau avec le cutter. C'est mieux. Des petites pinces pour que ça colle bien. J'adore ces pinces. Voilà, donc celui-là, je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Je vais m'occuper de celui-ci. Donc, est-ce que j'ai encore de la chute? Dommage, dommage.
je vais devoir couper dans la grande, c'est rien. Regardez, dans ce sens-là, ça ne va pas. Et en bleu, j'ai une chute là, je vais regarder si ça marche. Ça fait un peu de geste, mais bon, non, je pense que ça peut le faire. Ça va le faire. Partout. J'ai plus de grosses pinces, donc enfin il m'en reste qu'une. Là quand j'irai chez le roi Merlin, il faudra que je m'en rachète. Celle-là de pince, j'aime beaucoup moins. Il faut que j'en mette déjà beaucoup plus pour que ça tienne. Bon, ça fait un peu le job, mais pas sans plus. Donc là maintenant on va s'occuper du devant. Donc là bon, j'ai plus de chute. Voilà. Ah,
Alors, ici, déjà, je vais mettre un au milieu. Là, il faut que je rajoute un coin de colle. La colle scotch. Je vais reprendre. Là, il me faut des pinces comme ça. Là où il y a les poignets. Là, il faut que ça tienne bien. Là, j'ai absolument besoin de ces pinces. Là, il faut que ça tienne bien. Voilà. Donc là maintenant, il faut attendre que ça colle. Et, avec les poignets, je suis obligée de faire comme ça pour que ça colle bien. Donc celle-là, hop, sur le côté, on attend. Là, c'est bien, c'est collé. Ensuite, celle-ci. Donc là, il va me falloir une chute. Donc ça, ça doit être, c'est bien du 2, je pense. Déjà, on va le remettre droit. Mon équerre.
cacher un petit peu. Parce que sinon, on va faire des bêtises avec les poignées. Donc. ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire quoi? Donc, celui-là, voilà, j'ai la façade, c'est bon. Presque terminé. Celui-là, il faut que... Je pense des bêtises, hein, Edith. Edith a fait grosse bêtise. Edith a collé, alors qu'il fallait pas coller tout de suite. Donc, c'est rien. Ce que je vais faire... je vais pas décoller. Parce que si je décolle, je vais arracher. Et ça va... Ça va faire pire que mieux. Donc, comme c'est du le tissu noir, je vais passer mes vis quand même là. Et je recollerai un tissu sans carton. Juste le tissu. Pour cacher la vis. Voilà, et ça ne se verra pas. Voilà, c'est ce que je vais faire. C'est le plus simple. Parce que sinon, ça va abîmer le tiroir. Et puis, ben, c'est pas le but, hein. Pas abîmer les tiroirs, voilà, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, voilà. Je peux, de toute façon, je peux pas faire autrement, voilà. Bon, ça, la façade est sèche. Donc là, ce que je vais faire d'abord, c'est percer les premiers trous. Et maintenant, on va coller d'abord avant de fixer les poignées. De toute façon, il faut que je colle, que je mette sous presse avec les pinces. Donc, on va coller. Que tout est bien mis. Voilà. Donc là, il me restera les poignées à mettre et après à mettre le gainage intérieur. Mais là, pour l'instant, il faut que je laisse prendre. Comment ? Avant de mettre les poignées. Donc ici, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait sec. Donc il faut que je laisse sous presse pour pas avoir de soucis avec les poignées. À ce côté-là, c'est bon. Ouais,
ce côté-là est sec, c'est bon. Voilà. Donc là, on va encore laisser comme ça. Je vais encore laisser une heure ou deux pour être bien sûr que ça prenne. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ouais, il me faut encore que je fasse une façade ici. Donc, c'est pareil, la façade. Alors, je prends un bout de carton. Ça c'est du 3. Ça c'est du 3. Ça c'est du 1,5. Alors. Voilà. Donc, ça avance, ça avance, ça avance. Je suis contente. Donc, il restera aussi, c'est les arrières de tiroir que je vais faire à la fin. Donc là, celle-là est terminée. Là, j'ai un tiroir de fini. Qui dépasse, on ne fait pas. Donc ça, celui-là, il faut le laisser sécher. Là, ici, donc je disais, on va le faire. Je vais mettre des tissus. Alors, je peux mettre quoi, noir ou bleu? Un bleu. Ah, je vais tomber ma façade. Mmh.
Ok. Alors, je réfléchis. Si je mets ça avant, j'ai dit que je mettais ça avant et que je mettais les fonds après. Hein. Il va falloir c'est que je prévois. Alors désolé, j'ai dû couper une petite heure, voilà, parce que j'ai eu la visite de mes petits enfants, donc c'était important, hein, voilà. Donc j'ai coupé la vidéo. Donc on en était arrivé ici, donc je vais remettre mon tissu bien droit. Voilà. Et ce qu'il faut, alors il faut d'abord que je le colle, que je mets de la colle ici sur l'arête du dessus avec un pinceau plus fin. Donc là aujourd'hui on va finir la vidéo là-dessus, hein, sur le gainage de ces arêtes.
Et voilà. Donc, tous mes casiers sont recouverts. Il me reste à faire les fonds. Donc là, pour faire les fonds, je vais attendre d'abord que les côtés soient bien secs. Voilà. Il me restera les fonds à faire. Donc là, je vais cacher les vis avec deux petits bouts de tissu. Donc là, je mets que du tissu pour pas refaire une épaisseur.